Hey yo yo, salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien. Eh ben écoute, moi ça va à merveille. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo remerciement, tout en faisant le bilan simplement de l'année 2020. Famille, d'entrée de jeu, je vous souhaite joyeuse fête de nouvel an. Bonne année 2021, famille. Eh ben, faites bien pendant toute cette période. Ne laissez pas la déprime prendre la place. Fêtez comme il se doit. Célébrez cette fin d'année de la plus belle de façon possible, famille. On se retrouve, comme je l'ai dit tantôt, dans cette nouvelle vidéo. Bilan nécessairement de la chaîne. Eh ben, écoutez, en 2020, personnellement, je n'étais pas assez chaud pour poursuivre l'aventure YouTube. J'avais semé tellement d'intervalles, hein, de repos, d'absence par rapport en on va dire, hein, au tournage, à la réalisation de vidéos. Mais bon, je réalisais plus, hein, de vlogs. Je pus voyager, on va dire, de le début de cette année déjà. Je pus voyager avant le début du coronavirus, le début du confinement et tout ce qui en découle. Dans quelques villes, hein, de la Russie, telles que Sochi, Saint-Péter, il y a également des vlogs réalisés qui vont nécessairement apparaître juste là. Et puis, j'étais également un œil, ce sera quelque chose de bien. Après ça, je me suis dit, pourquoi ne pas prendre une pause pour essayer de voir un peu où j'en suis par rapport à ça, puisque je m'ai découragé assez souvent parce qu'il n'y avait pas assez d'attraction, il n'y avait pas assez de visibilité. Du coup, je me suis dit, je vais me relancer, mais d'une autre façon carrément. Et ben, c'est fut après mon voyage de Saint-Pétersbourg. Il y a tellement eu de réactions. Et ben, écoute, Evie, nous aimerons à ce que tu fasses de vidéos concernant le thème, tel que le visa, le permis de séjour, tout ça là. Alors je condensais, on va dire, toutes ces vidéos, hein, en une forme de série carrément, hein, pour parler de ces dons. Vous, alors vous qui me suivez en ce moment, vous avez eu besoin. Et ben, c'est ce qui a été fait. Très bien. Après ça, j'ai également sémé une période d'absence et c'est né que, on va dire, hein, au mois d'octobre, novembre, que j'ai encore eu le taureau par le corne. Pourquoi? Parce que je voulais impérativement accéder à la monétisation et le seul moyen d'y arriver était nécessairement d'être constamment présent, constamment en ligne. Et ben, vous avez su également m'apporter de la force et recharger mes batteries à bloc avec vos commentaires, avec vos réactions. Et du coup, cela m'a donné une pêche énorme, la banane, j'ai envie de dire. Raison pour laquelle je poursuivis avec le live. À partir de là, la communauté s'est agrandie normalement. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, je compte 1690 abonnés, c'est énorme, c'est énorme, famille. Au début de l'année, j'ai compté forcément 532 abonnés. Au fur et à mesure, j'ai eu également de personnes qui se sont abonnées, mais ces trois derniers mois, ça a été très vite, ça a été très vite. Ce que j'ai pu remarquer est que le sujet que j'aborde n'intéresse qu'un groupe, on va dire, hein, de personnes, alors que je veux personnellement voir la chaîne s'agrandir avec une vitesse normale, ou soit des croisières, ça ne me dérangerait absolument pas. Raison pour laquelle, après la monétisation, je m'étais dit, pourquoi ne pas non plus parler d'autres sujets pour essayer d'apporter un tout petit peu, hein, des épices, un tout petit peu de la matière également, hein, à la chaîne, pour pouvoir en soutirer quelque chose, puisque s'il faudra se focaliser uniquement, alors uniquement sur la Russie et tout ce qui entoure la Russie, je ne saurais pas, on va dire, m'en sortir et profiter de la monétisation et de surcroît avoir un peu de la maille, raison pour laquelle j'ai essayé d'introduire, on va dire, hein, de sujets de la musique, de la société, sans pour autant mettre de côté, certainement, j'ai envie de dire, hein, la Russie, puisque c'est mon fond de commerce, puisque c'est le soubassement de tout, j'ai envie de dire. Vous inquiétez surtout pas, alors surtout pas, la Russie, les études, les informations, on va dire, en rapport avec la Russie, je le ferai toujours, alors toujours. Mes remerciements, d'ailleurs, s'adressent à vous, hein, à tous ceux-là qui ne cessent pas de m'apporter leur aide de la meilleure façon possible, famille. La team surtout qui réagit quand ils ont une notification, hein. Tous ceux-là qui ont, on va dire, hein, activé la cloche et quand je publie une vidéo qui réagissent, du coup, chapeau à vous. Vous êtes des artistes, vous êtes forts. Merci, merci
énormément, alors énormément à tous. En fait, le bilan a été, je dirais, à 80% positif. Pourquoi? Parce que la fin de l'année, je souligne les 3 derniers mois, ont permis nécessairement à la chaîne de s'agrandir avec une vitesse exponentielle. J'ai envie de dire pourquoi? Parce que en parlant également de certains thèmes de la musique, il y a eu tellement, alors tellement d'abonnés. Imaginez, dans une semaine, j'ai pu engranger 422, je pense, abonnés, tout simplement en parlant d'un sujet beaucoup plus attrayant qui nécessairement attire beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus, j'ai envie de dire, de clics, beaucoup plus de réactions. Et ben écoutez, raison pour laquelle je dirais que cette année a été à 80% un succès pour la chaîne. Le bilan est quasi positif, Family. Et ben écoutez, après la monétisation, Family, j'enchaîne de vidéos et de vidéos, ce qui est normal d'ailleurs. Ne vous inquiétez surtout pas, je ne lâcherai pas, comme je l'ai dit tantôt, le côté russe carrément, puisque c'est ça le soubassement, c'est la fondation, j'ai envie de dire, de la chaîne. Ne vous inquiétez réellement pas. Combien même il y aura tellement, alors tellement de variétés sur la chaîne, mais cette partie consacrée, réservée à la Russie et à toutes les informations dont vous avez réellement besoin, et surtout les interviews, le live, le micro-trottoir, comme je l'ai fait. Ne vous inquiétez surtout pas, je ne cesserai pas de le faire. Mais sinon, je vais un tout petit peu édulcorer le contenu pour que tout soit tranquillement acceptable. La grammaire et moi, ça en fait deux. Eh bien, merci à vous pour le soutien, pour l'apport, pour tout, alors tout de bon que vous nécessitez de m'apporter. Je ne saurais vraiment pas citer les noms de tel ou tel autre abonné, mais d'une manière générale, je vous adresse mes remerciements du fond de mon cœur. Recevez ma gratitude. Chacun d'entre vous, vous méritez réellement alors mes remerciements ainsi que ma gratitude. Merci à vous. Fêtez bien pendant toute cette période. Fêtez excellemment bien. Eh bien, en 2021 déjà, je ne lâcherai plus rien. Je serai toujours actif et je vous apporterai, on va dire, tout ce dont vous aurez nécessairement besoin. Comme d'habitude, soutenez-moi, partagez la vidéo grâce aux likes, aux coms, aux partages, aux réactions. Tout ce qui s'en suit, c'est important, famille. C'est d'ailleurs grâce à vous que je n'ai pas pu me laisser aller. J'ai tout repris en main pour essayer d'aller beaucoup plus de l'avant et apporter un souffle nouveau sur cette chaîne. Merci à tout un chacun. Moi, c'est Vimaoete. Portez-vous bien. Je réitère encore une fois mes souhaits. Bonne année 2021, famille. Masque, distanciation sociale, c'est important. N'oubliez surtout pas, pendant que nous fêtons, le virus également fête dans son coin. Je ne cesse de les dire parce que c'est important. Family, 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 s'il vous plaît, portez-vous excellemment bien, prenez soin de vous, respectez le couvre-feu, soit le confinement. Et on se donne rendez-vous très prochainement. Ciao, ciao.